Non. Première remise en jeu au bénéfice de l'équipe malienne, c'est rapidement fait. On va peut-être se positionner dans cette défense tchadienne où on pouvait obtenir une faute ici sur cette table de sport Moribo Keita. On peut s'attendre à avoir une belle partie. Effectivement, le jeu est ouvert. Les deux équipes jouent à fond. Les deux équipes cherchent à marquer le premier but. Le Tchad cherche à marquer le gagner. C'est une récupération de Amara Konaté qui va lancer là-bas l'inter. C'est joué du plat du pied. On a trouvé Amara Malé qui a permis sur le côté gauche là-bas. Amara Malé qui a pris les vitesses son vis-à-vis. C'est un bon centre à ras de gazon. Peut-être l'ouverture du score. Khalifa Koulibaly. Manto. Khalifa Koulibaly. Cheikh Mohamed Chérif n'est pas hors jeu. Drissa Ballo la frappe. Le gardien tadien. Le but peut-être. Ça rentre. Ouverture du score de Amara Malé. Ouverture du score de Amara Malé sur cette belle action malienne avec au départ Amara Malé, beaucoup plus efficace sur le couloir gauche. Le joueur de l'ASB, Khalifa Eche, prendre le maximum de points à domicile pour se mettre à l'abri. Takout a dégagé. Khalifa Koulibaly est battu de la tête. Cheikh Fantamadi Diarra a eu plutôt. Amara Malé pour Cheikh Mohamed Chérif Doumbia. Voici l'autre Amara, le capitaine. C'est un milieu de terrain malien très entreprenant avec Souleymane Demba. Il n'est pas hors jeu, Amara Malé, il n'est pas hors jeu. Amara Malé, il va s'écrouler dans la surface de réparation. Ça n'a pas été bien exploité. Ça n'a pas été bien exploité par les Tchadiens. Khalifa Koulibaly. Khalifa qui va fausser compagnie à son encore. Vis-à-vis. Il est seul encore. Lui aussi est à l'ASB. Les deux Amara de cette rencontre sont tous des pensionnaires de l'ASB qui vont certainement rejoindre très rapidement. Chexi qui va se dégager. 27 minutes, voici un bon ballon de Amara Malé, peut-être non. Les 90 minutes, c'est pas facile. Si on parvient à marquer 2 à 3, bien 45 minutes, c'est mieux. Voici le centre de Amara Malé et Cassina Ferdinand. Récupération malienne. Amara Malé très actif là-bas sur le côté gauche. Où est le soutien? L'auteur. Il tarde à venir encore. Là, c'est un. Son latéral, et ça allait créer beaucoup d'espace pour le soutien. Et ça va revenir. Amara Malé. Il n'est pas hors jeu, Khalifa. Dans le but. Khalifa n'est pas hors jeu. Mais il ne va pas donner ce ballon. Il va chercher et trouver Amara Malé sur son côté. Amara Malé qui va passer. Amara qui va frapper. Ça passe à côté. Mohamed Chérif Doumbia sur l'aire de jeu. Et ça répare là-bas côté malien. Amara Malé qui s'est défait du marquage d'un partenaire. La tête d'un défenseur tchadien. Prendre assez souvent. Mais là, c'est bien écarté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer la défense. Zambé. Contré. Et les Maliens qui récupèrent. Attention. À ce moment précis que l'équipe nationale a besoin de leur soutien. Même si l'équipe est menée, rien ne prouve que l'équipe ne va pas revenir. On n'a pas encore sifflé la fin de cette rencontre. Et c'est Ibrahim Bari qui rate le ballon pour les Maliens. Les Maliens en accélération. En accélération pour le deuxième but. Malheureusement. Adama Diabaté. Les Maliens qui repartent à l'assaut. Les Maliens avec le buteur Cheikh Madi Diarra. Cheikh Madi Diarra. Pour toujours ballon malien